Je suis Madame Sunda Edith, enseignante en classe de CP2. Aujourd'hui, nous allons voir une leçon en mathématiques, plus précisément en géométrie. Regardez, suivez. On regarde. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ce sont des lignes. Ce sont des lignes. À la fin de notre leçon, tu dois être capable de tracer des lignes fermées et des lignes ouvertes. Donc, à la fin de notre leçon, tu dois être capable de tracer des lignes fermées et des lignes ouvertes. On continue, il faut suivre. Trace un rond. Trace un rond. Suivez. Je veux tracer un rond. La main levée, je suis là. Là, j'ai un rond un peu plus gros. Là, je trace un rond. On continue. Trace un trait horizontal. Trace un trait horizontal. À l'aide d'une règle, je veux tracer le trait horizontal. Ensuite, je trace le trait horizontal. Je suis là. Je viens de tracer le trait horizontal. Trace un trait vertical. Trace un trait vertical. Suivez toujours. Je suis là avec, toujours à l'aide d'une règle. Je veux tracer le trait vertical. Je suis là. Là, je viens de tracer le trait vertical. Alors, le trait horizontal, le trait vertical. On continue. Je peux effacer. On continue toujours à regarder. On regarde. On regarde. Là, nous avons des cordes. Regardez. Nous avons des cordes. Il faut toujours suivre. On est là, on regarde. Je pointe mon doigt ici. Je veux nommer ce point le point A. Le point A. Alors, on va placer quelqu'un ici. On va lui attribuer un nom, Bélé. On demande à Bélé de faire le parcours en allant de A, en partant de A, en partant de A à A, en partant de A, en allant à A. Regardez ce que Bélé va faire. Bélé quitte le point A. Elle va parcourir la ligne. Elle va, on lui a dit qu'elle va aller jusqu'en allant au point A. On regarde, nous sommes là. Alors, Bélé rencontre le point de départ, le point A. Bélé rencontre le point de départ, le point A. Alors, regardez bien cette ligne. On regarde, nous n'avons pas d'ouverture, nous n'avons pas de porte. Alors, nous avons ici une ligne fermée. Nous avons ici une ligne fermée. On continue toujours, il faut suivre.
Nous avons aussi regardé cette ligne. On est là, on regarde, on suit. Je pointe mon doigt ici. Là, nous avons le point A, toujours. Et Bélé est ici. Alors, on demande à Bélé de parcourir, de faire le parcours en allant du point A, en partant du point A, en allant jusqu'à A. Alors, regardez ce que Bélé va faire. Bélé s'en va, elle va. Regardez. Elle va. On regarde. Bélé arrive au point de départ, qui est le point A. Bélé arrive au point de départ, qui est le point A. Donc, regardez bien cette ligne. Celle-là aussi n'a pas d'ouverture. Elle n'a pas de porte. Donc là, nous avons aussi une ligne fermée. Ici, nous avons une ligne fermée. On continue. Il faut toujours suivre. On continue. Nous avons cette corde. On regarde. Alors ici, nous avons le point A qui est ici au coin, là où je pointe mon doigt. Et de l'autre côté, c'est le point B. Par ici, nous avons le point B. Alors là, on change de personne, le nom de, on change de personne. Celui-là serait maintenant appelé Kaline. Ce n'est plus Bélé. On change maintenant. Donc cette personne s'appelle Kaline. Donc Kaline se place au point A. On demande à Kaline de faire le parcours de cette ligne en partant du point A pour aller jusqu'au point B. Donc, Kaline est là. Elle se pointe au point A. Elle s'en va. Regardez. Regardez, Kaline est là. On regarde, on suit. Donc, Kaline fait le parcours. Elle est là. Elle doit arriver jusqu'au point B. On regarde. Kaline arrive au point B. On regarde. Regardez bien, elle est là. Le point B est là. Là, quand nous regardons cette ligne-là, elle n'a pas de porte. Elle est ouverte. Donc, on peut dire que c'est une ligne ouverte. On regarde très bien. C'est une ligne ouverte. Nous avons ici une ligne ouverte. On continue toujours, faut suivre. On regarde, on suit. Regardez, je pointe mon doigt ici. On continue toujours avec Kaline. Là aussi, c'est toujours le point en pointe. Là, c'est le point A. Là, Kaline est là. Et on demande à Kaline de faire le parcours en partant du point A. En partant du point A pour aller jusqu'au point B. Alors, regardez, le point B est ici. Regardez ce que Kaline va faire. Kaline s'en va, elle marche, elle est là, elle arrive jusqu'au point B. Jusqu'au point B, on regarde bien. On regarde, là aussi, il n'y a pas de... On regarde, elle est ouverte, on regarde. Nous avons ici une ligne ouverte. Nous avons ici une ligne ouverte. Nous avons ici une ligne ouverte. Alors, suivez. On va continuer. Là. Regardez là où je pointe toujours mon doigt. C'est le point A toujours. Il est nommé le point A. Et Kaline est ici. On demande à Kaline de faire le parcours de cette ligne en partant du point A pour aller au point B. Le point B est ici. Regardez ce que Kaline va faire. On suit, on regarde. Regardez ce que Kaline va faire. Kaline arrive. Elle parcourt la ligne. Elle arrive au point B. On regarde. Regardez. Regardez. Là, c'est le point B. C'est là où est Kaline. Kaline va rencontrer le point B, qui est différent
de ce que Bélé avait rencontré le point A encore. Mais là, Kaline rencontre un autre point qui est B. Regardez bien. Là, nous avons, quand on regarde, nous avons ici une ligne ouverte. Parce que nous n'avons pas, c'est pas fermé, elle, c'est une ligne ouverte. Donc, on continue, on regarde, nous allons schématiser ce que nous avons manipulé. Nous avons commencé, nous avons dit que nous avons eu un point A, on compte le point A, et nous avons ici Bélo, une personne au nom de Bélo. Nous avons ici Bélo. On a demandé à Bélo de faire le parcours en partant du point A, en partant du point A, en allant à A. Donc, c'est ce que Bélo a fait. Elle est là, elle est partie et elle a rencontré le point de départ qui était le point A. Ça, c'est notre première schématisation. On a schématisé. Donc là, nous avons une ligne fermée. Là, nous avons une ligne fermée. On continue toujours avec la deuxième manipulation. On a manipulé. On a demandé toujours à Bélo. On suit. Bélo était au point A. Nous avons ce point A. Et Bélo est toujours là. On a demandé à Bélo de faire le parcours du point A en partant du point A en allant jusqu'à A. Regardez ce que Bélo a fait. Elle était là, elle est là. Elle est partie, elle est revenue, elle est repartie jusqu'à rencontrer le point de départ qui était le point A. Donc, on continue toujours notre manipulation, notre schématisation, excusez. Donc, là aussi, c'est une ligne. On avait dit qu'il n'y avait pas d'ouverture. C'était une ligne. Excusez. C'était une ligne ouverte, fermée. C'était une ligne fermée. Toujours une ligne fermée. On continue notre schématisation. On continue. On continue notre schématisation. Là, on avait changé de nom. C'était maintenant Kaline. On a dit ceci. Kaline était là, au point A. On a demandé à Kaline de faire le parcours en allant du point A, en partant du point A, en allant jusqu'au point B. Le point B est quelque part ici. Donc, on va aller. Kaline, c'est ce que Kaline a fait. Elle est là. Regardez ce que Kaline a fait pour aller retrouver, pour aller jusqu'au point B. Le parcours que Kaline a fait. On est là. 2, 3. Là, Kaline a retrouvé le point B. Là, c'était Kaline. Là, c'était Kaline. Donc ici, c'était Kaline qui a fait le parcours de cette ligne pour aller rencontrer, pour aller jusqu'au point B. Donc là, nous avons dit que c'était une ligne ouverte parce qu'elle n'a pas de porte, une ligne ouverte. On continue toujours. Nous avons dit aussi que, on continue toujours. Là, on a demandé aussi à Kaline de parcourir, on commence par le point A toujours. Le point A, on est là, Kaline est là. Là, Kaline se positionne au point A. Nous sommes là. On a demandé à Kaline de faire le parcours en partant du point A,
en allant jusqu'au point B. Le point B quelque part ici. Donc, on écrit Kaline est là. Le point A. Donc, on a demandé à Kaline de parcourir cette ligne en partant du point A pour aller jusqu'au point B. Le point B est là. On met B. On regarde ce que Kaline a fait. Kaline est partie du point 1. Elle est là. Regardez. Nous sommes là. Et nous avons dit que c'était, nous avons pas, là aussi nous n'avons pas de porte, pas de fenêtre. On a dit que c'était une ligne. Là, c'était Kaline toujours ici. Une ligne. Une ligne ouverte. C'était une ligne ouverte. Donc, on continue toujours notre schématisation. On schématise toujours, on continue. On a encore demandé à Kaline, au point A. Kaline était au point A. Kaline est là. Donc, on demande à Kaline aussi, c'est ce que nous avons fait, de faire le parcours de cette ligne en partant du point A. En partant du point A, allons jusqu'au point B. Le point B est là. On peut positionner le point B par ici. Alors, on regarde. Donc, on regarde. Donc, on regarde ce que Kaline a fait. Donc là, nous avons aussi une ligne ouverte. On continue. Regardez ce que Kaline a fait. Elle est là. C'est ce que Kaline a parcouru. Elle est arrivée. On regarde. On regarde. On suit. Alors là, Kaline est arrivée jusqu'au point B. Là, nous avons dit que c'est aussi une ligne ouverte. Parce qu'elle n'a pas de porte, pas de fenêtre. C'est une ligne. Parce que c'est une ligne ouverte, parce que elle n'a pas, elle n'a pas des portes. Elle a des portes ici. Donc, c'est une ligne ouverte parce qu'elle a des portes. Elle n'a pas aussi des fenêtres. Donc, c'est une ligne ouverte. Donc, regardez, nous avons fini notre schématisation. Nous avons ici les lignes fermées. Là, nous avons des lignes fermées, des lignes ouvertes. Donc, je peux effacer. Donc là, on peut maintenant écrire le titre de notre leçon. Alors, qu'est-ce que nous venons de voir? Nous venons de voir la... On peut écrire reconnaissance. Reconnaissance. Reconnaissance des lignes. Reconnaissance des lignes. Des lignes fermées. Reconnaissance des lignes fermées. Des lignes fermées. Et ouvertes. Et des lignes ouvertes. Donc, je peux écrire ça en bas, je peux. Reconnaissance des lignes fermées et ouvertes.
Alors, qu'est-ce que nous avons dit? Nous allons écrire « Il existe ». Il existe des lignes. Il existe des lignes comment? Ce que nous avons vu, des lignes. Il existe des lignes fermées et il existe des lignes fermées et ouverte. Il existe des lignes fermées et ouvertes. Et nous avons appris, excusez, on va continuer. Voici. Nous avons appris comment tracer. Voici comment. On a appris comment construire. Voici comment. Construire. Des lignes. Voici comment construire des lignes. Des lignes fermées. Voici comment construire des lignes fermées et des lignes ouvertes. Voici comment construire des lignes. Voici comment construire des lignes fermées et des lignes ouvertes. Quoi? Donc, je suis là, on a commencé. Je peux mettre ici un point. Là, je peux placer le point A. Donc là, nous allons d'abord construire le 1. Une ligne fermée, je suis là au point A. Donc, je vais de A, c'est-à-dire que je veux faire parcours, je parcours cette ligne en partant du point A, en allant jusqu'à A, je suis là. C'est ce que nous avons fait quand nous avons schématisé. Et là, je retrouve le point, je rencontre encore le point A. Nous allons encore écrire là. Nous allons près de là, nous avons une ligne fermée. Là, nous avons une ligne fermée. Alors, on continue. Là, nous allons construire une ligne ouverte. Je suis là. On regarde. J'efface, je passe là. Je mets le point A. Nous allons partir jusqu'au point B. Je suis là. Je vais. Je veux parcourir cette ligne. Je vais regarder bien. Là. Je vais jusqu'au point B. Alors, notre leçon est là. Suivez, je veux lire ma leçon. Géométrie. Ensuite, je veux lire ma leçon. Géométrie. Reconnaître des lignes fermées et ouvertes. Retiens. Il existe des lignes fermées et ouvertes. Point virgule. Voici comment construire des lignes fermées et des lignes ouvertes. Et nous avons construit ces... Là, nous avons la ligne fermée. Et ici, nous avons une ligne ouverte. Là, je peux écrire une ligne ouverte. Donc, c'est pas fini. On continue toujours. Là, nous avons un exercice. Alors, ensuite, je veux lire l'exercice. Exercice. Observe les lignes suivantes et mets une croix sur les lignes ouvertes. Je vais encore lire ensuite. Exercice. Observe les lignes suivantes et mets une croix
sur les lignes ouvertes. Alors, nous avons ces lignes, nous avons là, 4 lignes. On regarde, on nous a demandé de mettre une croix sur les lignes ouvertes seulement, sur les lignes ouvertes. Donc, on regarde, en se référant de, quand on se réfère de la leçon, référant de la leçon, on nous a dit que les lignes ouvertes, c'était des lignes qui n'avaient pas, qui étaient ouvertes, qui n'avaient pas de porte, qui ce sont des lignes qui ont des portes. Donc, on regarde, celle-là n'a pas de porte, elle est fermée, on regarde bien, il n'y a pas de porte par ici, regardez. Il n'y a pas d'ouverture quand on regarde, on passe. Donc là, on ne peut pas mettre une croix. Là, on passe, on regarde celle-là, on regarde bien, regardez, là, nous avons une porte, regardez bien, par ici. Donc là, au moins, on peut mettre une croix, là. Donc là, on met la croix. Là, nous avons une ligne ouverte, parce que nous avons des portes. On passe ici, on regarde ici, on regarde... On nous a dit que les lignes ouvertes avaient des portes, des ouvertures. Quand on regarde cette ligne, regardez, elle est là, elle s'en va. Elle est là, on regarde. Là aussi, c'est une ligne ouverte parce que nous avons des portes. Nous avons une porte, des portes. Donc là, je mets aussi une croix. Là aussi, c'est bel et bien une ligne ouverte. On passe à la quatrième ligne, on regarde, regardez très bien, on regarde jusqu'à là. Alors, on nous a dit que des lignes ouvertes avaient des portes, des ouvertures. Alors, quand on regarde cette ligne, c'est bel et bien une ligne ouverte. Alors, je mets ma croix. On regarde. Alors, on vient de finir de faire notre exercice. Regardez, nous avons fini. Donc, on finit par là. J'ai prévu un exercice pour vous. Regardez, continuez toujours à suivre. Je suis là, on regarde. On regarde l'exercice. Alors, je veux lire l'exercice. On suit exercice. Tu viens d'étudier la leçon sur les lignes fermées et ouvertes. Trace une ligne fermée et une ligne ouverte. Donc, on est là. On te demande de tracer une ligne fermée et une ligne ouverte. Donc, c'est bien. Vous allez travailler. Là, notre leçon vient de prendre fin. Alors, je veux dire au revoir et à très bientôt. Au revoir.